Salut Eric. Salut. Salut Eric. Salut. Salut Eric. Salut. Eric, c'est super de te recevoir parce que tu sors ton premier disque, t'es numéro 1 top 50 et avant t'avais jamais chanté ni fait de musique. Ouais, c'est peut-être pour ça, je veux dire. Ouais. Quel effet ça fait? C'est super, non? Ouais, bah disons que ça me fait vachement plaisir, ouais. Pour moi, je veux dire. Ouais. Au niveau personnel, je veux dire. Ça t'est venu comment, cette chanson? T'as eu un flash? Bah disons que j'ai fait une rencontre. Ouais. Parce que je crois beaucoup aux rencontres dans ce métier, tu vois. Ah, il faut quand même signaler que celui qui t'a lancé, c'est le plus gros producteur de disques en Europe. Et c'est ton père. Ouais, disons que j'ai eu la chance de rencontrer mon père. Mais alors après, ça a été vachement vite quand même, parce que t'allais enregistrer à New York avec les meilleurs musicos... Ouais, les machins Cambos. Ouais. Bon, c'est pas évident d'aller à New York, même si tu vis dans un palace, toi. Ouais, mais tu connaissais déjà les States. C'est pas la première fois que t'y allais. Ouais, mais j'y allais comme ça le week-end avec des potes, pas pour bosser, toi. Ouais. Ouais, super, ouais, super. Ouais, t'y allais juste pour le fun. J'aime pas les mots anglo-saxons comme fun. C'est un peu destroy, quelque part. Ouais. Alors après, t'as eu une enfance difficile, enfin, avec tes parents, parce que vous étiez toujours entre Monaco, les Seychelles, Los Angeles, Melun... Ouais, c'était chiant. Surtout Melun. Ouais. Alors, je voudrais te poser une question qu'on pose toujours dans ces cas-là. La scène, c'est pour bientôt? Ouais, la scène, ça me branche, je veux dire, mais ce qui m'emmerde, c'est le public. Et tu penses à quoi comme scène pour débuter? Le Zénith. 15 jours au Zénith, alors on peut le dire? Un jour, ça suffira, toi. Ouais. Parce que j'ai pas envie d'aller au boulot tous les soirs. Ouais. Je suis pas un fonctionnaire. Ouais, super. Ouais, super. Super. Ce qu'il y a, c'est que à ton répertoire, il y a une seule chanson. Puisque la face A, c'est le tube qu'on connaît. Et la face B, tu accordes ta guitare. C'est pas un problème, le public m'aime. Je leur chanterai 10 fois le tube. Quand on aime, on compte pas. Ouais. Ouais, super. Dis-moi, tu te sens concerné par l'actualité? De loin, mais ça m'intéresse vachement. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe à l'Est en ce moment? Je crois que des villes comme Strasbourg ou Mulhouse, elles doivent être libres. Ouais. Ouais, super. Et qu'est-ce qui, dans le monde actuel, dans le contexte, en un mot, te fait le plus flipper? Le racisme. Le racisme. Ouais, le racisme. Pourquoi le racisme? Parce que si ça continue, il y aura que des étrangers qui vont faire des disques. Ouais. Ça me fout les boules! Putain de négros qui prennent nos places! Ouais, super, ouais. Tu vas me dire très vite 3 choses que t'aimes. Très vite, 3 choses que tu aimes pas. Tu réponds très vite, sans réfléchir, comme t'as l'habitude. 3 choses que t'aimes. J'aime l'intelligence. Super. Le travail. Ouais, c'est super. Les bêtes. Ouais, c'est super. 3 choses que tu détestes. La bêtise. Super. La facilité. Ouais. Les bêtes. Ouais, super. Ah, tu m'as déjà dit que tu aimais les bêtes. Ouais, mais il y a des bêtes qu'on aime et d'autres qu'on aime pas, je veux dire. Ah ouais. Oh merde, un glaire. Les paroles de tes chansons, enfin de ta chanson, enfin de la chanson qu'on a écrite pour toi. Attends, mais c'est ma chanson, je veux dire. Ouais, enfin, elles sont un peu hard quand même. De toute façon, je les comprends pas toutes moi-même. Parce que tu m'excuseras, mais bleu bleu comme l'enfer, tu es belle comme l'amour. Rouge rouge comme ta mère, tu pètes comme un tambour. On n'a rien vu d'aussi fort depuis Marcel Amon. Ouais, j'aime bien la provoque. Ouais, super Eric. Merci pour cette interview et puis on va pouvoir lire les paroles de ta méga chanson sur cette très jolie musique générique de fin. C'est super. Salut. Ouais, super.